Ça a été difficile. C'est un doublage difficile. Parce que même Hugo Weaving, dans cette trilogie, joue d'une manière particulière. C'est pas. Il a fait tout un travail sur sa voix, sur son élocution, qui est particulièrement lente et particulièrement articulée, avec une voix qu'il a descendue énormément, qui n'est pas sa voix normale, qui fait que ça n'a pas été évident du tout à faire dès le départ, rentrer dedans. D'autant plus que autant ça pouvait fort bien fonctionner en anglais, enfin en américain, en anglais, bien que les films aient été tournés en Australie, je crois, autant en français c'était difficile de faire passer le texte, le message, avec cette élocution particulièrement lente. Et voilà, ça a été un exercice. Je me souviens très bien d'être sorti des séances relativement sur les rotules, quoi. Moi, quand je suis quelque part, comme là au Conservatoire de Bruxelles tout récemment, font « Monsieur, 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 pouvez-nous faire la voix de… » Et c'est la voix de l'agent Smith dans Matrix qui me demande, et la voix de Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. Vous pouvez d'ailleurs nous faire l'agent Smith, Monsieur Anderson. Monsieur Anderson, ravi de vous revoir.